Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il a fallu que notre Seigneur attende la fin de sa vie pour affirmer sa royauté. C'est devant Ponce Pilate et quelques heures avant de mourir sur la croix que notre Seigneur dit clairement « Je suis roi ». Pilate lui pose la question très clairement aussi « Es-tu roi ?» Jésus dit « Je le suis ». Et il explique quel est son royaume. Notre Seigneur aurait pu affirmer sa divinité dès le début de son ministère. Du reste, lorsqu'il prend Nathanaël, c'est-à-dire Saint-Barthélemy, et qu'il le choisit comme un de ses apôtres, Nathanaël le reconnaît tout de suite comme le roi d'Israël. Mais ensuite, cette mention disparaît de l'Évangile. Elle revient au jour des rameaux, lorsqu'il est acclamé pour son entrée triomphale à Jérusalem, une semaine à peine avant de mourir. Et là, très clairement, Jésus affirme sa royauté. C'est au moment de sa mort qu'il décide de dire qu'il est roi, pour manifester par là quelle est sa royauté. La liturgie nous le dit très clairement dans une hymne, l'hymne de la croix, l'hymne du temps de la passion, « Vexilla Regis, regnavit aliniô Deus ». Dieu a régné par la croix et il continue de régner par la croix. Et du reste, Pilate ne s'y est pas trompé, puisque sur le bois de la croix, au-dessus même de Jésus-Christ, il a fait inscrire ce titre, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs n'ont pas accepté cette royauté, et ils ont demandé à Pilate de changer le titre. Écris plutôt Jésus de Nazareth, qui s'est dit le roi des Juifs. Et Pilate refuse. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je sais ce que j'ai écrit. Notre Seigneur est roi sur la croix, mieux encore, notre Seigneur est roi par sa croix. La royauté de notre Seigneur n'est pas une royauté ordinaire. Il le dit aussi à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». La royauté de notre Seigneur s'exerce par son sacrifice, parce que c'est une royauté de rédemption, c'est une royauté de rachat. Notre Seigneur est roi de ce qu'il rachète. Et il rachète par son sacrifice. C'est pourquoi notre Seigneur est roi par son sacrifice, ou autrement dit, par son sang, répandu sur la croix, sur nos âmes. Voilà, mes bien chers frères, la royauté de notre Seigneur. Pourquoi est-il roi sur la croix? Précisément parce que son royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus est d'un autre monde. Et s'il veut commencer à l'établir ici, sur la terre, c'est un royaume spirituel. Un royaume de nos âmes, un royaume certes dans nos âmes, un royaume de nos âmes, un royaume spirituel qui regroupe aussi les patries, les familles, les associations, les sociétés. Mais cela reste avant tout un royaume spirituel, c'est-à-dire un royaume ordonné au royaume céleste. Les apôtres ont du mal à comprendre cette notion, puisque après sa résurrection, ils vont voir Jésus et lui disent « Alors, c'est quand que tu restaures le royaume ?» Et Jésus est obligé de leur dire « Mais vous n'avez pas compris, il est restauré par mon sang versé. En rachetant les âmes, j'ai fondé, si l'on peut dire ouvert, le royaume des cieux, le royaume dans lequel je suis roi et pour lequel vous êtes fait. » Et alors, comment devient-on les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, par le sang de sa croix, par son sang qu'il déverse dans nos âmes. Le sang de Jésus-Christ, qui est le passeport de la vie éternelle, est aussi ce qui, en nous, nous fait sujet de Jésus-Christ et nous rend ainsi participants de son royaume. Alors, mes bien chers frères, voyez que le royaume de Jésus-Christ, qui est établi par la croix et par la passion, continue de s'établir dans le temps et dans l'espace par le renouvellement de son sacrifice. La Sainte Messe, qui renouvelle le sacrifice de notre Seigneur de façon réelle, quoique sacramentelle, la Sainte Messe rachète les âmes, la Sainte Messe sanctifie les âmes, la Sainte Messe donne la vie de Jésus-Christ par la Sainte Communion, la Sainte Messe étend le royaume de notre Seigneur. Notre Seigneur continue de régner par la Messe. Notre Seigneur continue de sanctifier par la Messe. Notre Seigneur continue de peupler son royaume par la messe.
Vous comprenez l'importance que doit revêtir la messe dans notre vie. La messe n'est pas simplement l'acte auquel nous sommes obligés le dimanche. La messe est l'acte par lequel nous affirmons que nous voulons être sujets de Jésus-Christ. La messe est l'acte par lequel Jésus s'empare de nos âmes pour faire de nous les sujets de son royaume. Voilà pourquoi il est important dans la vie d'un catholique d'assister à la messe. Et on comprend aussi pourquoi l'Église fait ce devoir chaque semaine de venir assister à la Sainte Messe. Ce n'est pas simplement le devoir d'un chrétien pour le pousser un peu à la piété. L'Église a le souci d'étendre le royaume de notre Seigneur. Et comment fait-elle pour l'étendre ? Elle répand la messe dans les âmes, elle répand la messe dans les lieux, elle répand la messe dans l'univers, mais en même temps, elle oblige les fidèles à participer, à venir à la Sainte Messe pour pouvoir entrer dans le royaume de notre Seigneur. Donc nous devenons véritablement sujets de notre Seigneur en participant à la messe. Et le mot « participation » ne doit pas nous faire peur, même si aujourd'hui il a été galvaudé. Participer à la messe, cela veut dire assister avec toute notre âme à la messe et nous y mettre comme si nous étions au pied de la croix pour profiter du sang, de la vie de Jésus-Christ qui s'écoule de cette croix. Et c'est dans la mesure de notre participation, vous voyez, c'est-à-dire dans la mesure de notre union à la messe, que nous sommes véritablement sujets de notre Seigneur et que Jésus-Christ étend son royaume dans nos âmes. Lorsque le prêtre, voyez, se retourne juste avant le canon de la messe, à l'offertoire, le prêtre donc offre le pain qui sera consacré, puis le vin qui sera consacré. Et avant de commencer le canon, qui est la partie la plus importante de la messe, le prêtre se retourne, étend les mains et dit « Orate fratres, priez mes frères ». Et il dit « Afin que mon sacrifice et votre sacrifice, ce sont les paroles mêmes du prêtre, ut meum ac vestrum sacrificium, pour que mon sacrifice que je vais offrir comme prêtre et votre sacrifice que vous offrez, vous, à votre façon, en union au sacrifice de la croix, soit accepté et agréé de Dieu ». Et c'est dans la mesure de notre union, vous voyez, de notre participation dans ce sens-là, au sacrifice de la croix, que nous devenons les sujets de notre Seigneur. Notre Seigneur règne donc dans nos âmes par la croix, il règne dans les sociétés par la messe et principalement par la messe publique. Ce qu'il y a de consolant, mes bien chers frères, dans cette royauté, c'est que si notre Seigneur règne par la croix, c'est que son royaume est un royaume de rachat. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sa royauté s'adresse à nous autres pécheurs. Les sujets du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les pécheurs qui profitent de son sang. Les sujets du royaume de Jésus-Christ, ce sont les pécheurs donc repentis ou repentants qui veulent s'unir à la croix de Jésus par leur sacrifice et plus précisément par la communion. Mais en même temps, le royaume de notre Seigneur, c'est un royaume de bonté et de miséricorde. Le royaume de notre Seigneur, c'est un royaume de bonté et de miséricorde parce que Jésus, sur la croix, rachète les âmes, c'est-à-dire répare le péché. Autrement dit, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une royauté de majesté éclatante ou qui nous écraserait ou nous subjuguerait. C'est une royauté de bonté, d'amour, de miséricorde, de pardon du péché. Et ce qui nous laisse toute l'espérance d'être sujet du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, dès ici-bas par la grâce, au ciel, dans la gloire, c'est d'être pécheur, mais de pouvoir être pécheur repentant et de profiter ainsi de la miséricorde que notre Seigneur nous octroie par son sang, dans la confession particulièrement, mais aussi par la messe, puisque à chaque communion, tous nos péchés véniels sont remis par le simple fait de communier. Vous vous souvenez de cette parabole de notre Seigneur dans l'Évangile. C'est un Seigneur qui veut faire un grand festin. Et tous ceux qui sont invités au festin refusent de venir. Chacun a son occupation et se désintéresse totalement de ce festin. Alors le maître dit « Faites venir tout le monde et n'importe qui et courez dans les rues. Prenez tous ceux que vous verrez, invitez-les, il y a de la place pour tout le monde. » Et tout le monde vient. Et il y en a un qui, dans la salle du festin, n'a pas la robe nuptiale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est celui qui, comme dit l'explication et comme disent les pères de l'Église, c'est celui qui n'a pas l'état de grâce. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que c'est celui qui n'a pas participé à la croix de Jésus-Christ. Et celui-là ne peut pas entrer dans ce royaume. Celui-là ne peut pas être le sujet. Alors notre Seigneur dit à celui qui refuse de porter la robe nuptiale, qui pense que par lui-même et par ses mérites, il peut participer au festin et devenir le sujet de ce roi, notre Seigneur dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans le feu extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu garder son indignité, il n'a pas voulu prendre la robe nuptiale qui était donnée par le maître de maison pour être sujet du royaume. À notre tour, mes bien chers frères, si nous voulons appartenir au royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut participer au Saint-Sacrifice de la messe. Il faut communier régulièrement, il faut vivre du sang de Jésus-Christ. C'est à cette seule condition que nous serons les sujets du royaume des cieux. Le drame, voyez, du modernisme et le drame des erreurs modernes, c'est d'avoir galvaudé toutes ces vérités. Tout d'abord, la fête de notre Seigneur Christ-Roi est reportée à la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire au dernier dimanche de l'année, le 26e, 27e, selon les années, juste avant le premier dimanche de l'Avent, comme si le royaume de Dieu se faisait à la fin et non pas dès maintenant, par le sang et par la croix qui se réalise dans nos âmes. C'est le premier drame. Ensuite, cette fête, parce qu'elle a été repoussée à la fin de l'année, n'est plus intimement liée à la fête de la Toussaint. Le pape Pie XI, lorsqu'il a instauré cette fête, a demandé à ce que le Christ-Roi fût fêté le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire finalement le dimanche le plus proche de la Toussaint, pour bien manifester que ce royaume des cieux que nous allons contempler dans la fête de la Toussaint, c'est-à-dire les élus du ciel, ne le sont parce que dès ici-bas, ils ont été les sujets de ce roi de bonté et de miséricorde par le sang qu'ils ont reçu dans le Saint-Sacrement de pénitence ou dans le Saint-Sacrement de la communion. Mais en même temps, vous comprenez que, en effaçant ou agalvandant la fête du Christ-Roi, en changeant aussi la liturgie de la messe et l'aspect sacrificiel qu'il y a dans la messe, vous comprenez que c'est toute notre place de sujet du Christ-Roi qui est modifiée. Et donc le Christ-Roi devient comme quelque chose de facultatif, comme quelque chose de moins important, en tout cas comme une fête sur laquelle on n'insiste plus et comme une réalité que l'on ne veut plus répandre dans le monde, que ce soit la messe ou le Christ-Roi. Finalement, comme les deux sont intimement liés, eh bien si l'on change la messe, on change la nature du Christ-Roi, mais si l'on change aussi la fête du Christ-Roi, eh bien la nature elle-même de la messe perd quelque chose de sa vérité, voyez. Et en fait, dans ces erreurs modernes, eh bien, on désapprend aux fidèles à devenir sujets du royaume. De sorte que, après ces vérités galvaudées, c'est le sens du péché qui disparaît, c'est le sens de la confession qui disparaît, c'est le sens de la réparation, de la repentance et de la justice de Dieu qui nous est donnée par son sang. C'est un drame, bien chers frères, parce que si l'on n'annonce plus le royaume des cieux, si l'on n'annonce plus le Christ-Roi, qui trouvera encore les moyens d'appartenir à ce royaume ? Et ce royaume, nous sommes faits pour lui. Qui donc trouvera encore les bons moyens pour devenir sujet de ce Christ-Roi ? Pour nous, mes chers frères, gardons dans notre cœur une grande dévotion à la messe. Je suis roi au moment de sa passion et sur la croix, roi des Juifs, mais roi de tous ceux qui profiteront de sa passion. Roi de tous ceux qui aimeront assister à la messe, roi de tous ceux qui participeront à la messe, non seulement par leur union au sacrifice de Jésus-Christ, mais plus encore par leur communion à ce sacrifice dans la Sainte Eucharistie. C'est ainsi que nous devenons les sujets, mais c'est ainsi aussi, mes bien chers frères, que nous sommes apôtres et que nous étendons le royaume de Jésus-Christ. Et c'est important. En étant apôtres, que faut-il faire ? Amener les gens à la messe. Amener nos camarades, amener nos amis, amener peut-être nos proches, notre famille à la messe et leur expliquer le sens de cette messe, du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ qui fonde sur la terre le royaume de Dieu. Sans messe, il n'y a plus de royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où la messe disparaît, les individus, mais aussi les familles, les cités, les sociétés perdent le sens de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et donc perdent en même temps le moyen du rachat de leurs âmes. Alors qu'en étendant la messe,
chez nous, dans nos âmes, dans nos familles, dans nos patries, dans nos sociétés, nous étendons le royaume de Dieu, et en étendant le royaume de Dieu, nous procurons le salut à beaucoup plus d'âmes. La messe est éminemment apostolique, parce que la messe est l'acte par lequel Jésus-Christ règne sur nos âmes, sur nos familles, sur nos patries, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.